Sur l'argent. Ah oui, l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Vous pensez que vous le savez? Eh bien, ça n'est pas sûr. Qu'est-ce que l'argent? L'argent. L'argent, c'est un bout de papier? Oui. L'argent, c'est un compte de banque? Oui. Seulement, supposons que j'ai deux bouts de papier. Je voudrais bien vous en montrer, mais je n'ai pas le droit. C'est très dangereux de montrer de l'argent à la télévision. Ça suscite les passions du monde, il paraît. En tout cas, je ne vous le montre pas. Mais imaginez-vous, une pièce. Vous connaissez ça, vous en avez déjà vu. Une pièce. Regardez une pièce. Bon. Et je vous montre deux piastres. Un autre bout de papier, c'est deux piastres. Bon, lequel prenez-vous? Ah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va hésiter ici? Il y a peut-être des petits-enfants qui regardent. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, même parmi les plus petits qui se trompent. Ils vont prendre le deux piastres. Mais ce sont deux bouts de papier, exactement pareils, de la même grandeur, même épaisseur si on les touche, même poids si on les paye. Alors pourquoi prenez-vous le 2 au lieu de prendre le 1? Mais c'est le 2, parce que 2 c'est deux fois plus que 1. Ah, qu'est-ce que vous avez regardé sur le papier? L'argent là. Avez-vous regardé les visages? Avez-vous regardé les écritures? Non. Vous avez regardé le chiffre. Ah. Et quand vous donnez un chèque, qu'est-ce que vous regardez sur le chèque? Ça peut être écrit, payer à monsieur un tel la somme de 10 piastres. Bien. Mais si c'est écrit, payer à monsieur un tel la somme de 10 000 piastres, il n'y a plus de zéro, vous savez. Alors, qu'est-ce que vous prenez? 10 000. Bon. Qu'est-ce que vous regardez sur le chèque? Le chiffre. Qu'est-ce que l'argent? C'est un bout de papier? Ah non. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est un chiffre. Mais vous, qu'est-ce que c'est ça qu'on prend? C'est le chiffre qu'on regarde avant de choisir. L'argent, c'est un chiffre. Est-ce que vous saviez ça? C'est pas sûr. Eh bien, mes amis, vous manquez d'argent. Je manque d'argent. La ville de Montréal, dirigée par le maire Jean Drapeau, manque d'argent. La province de Québec, sous le gouvernement de Jean Lesage, manque d'argent. Le Canada, sous John Diefenbaker, manque d'argent. Tout le monde manque d'argent. Toutes les municipalités manquent d'argent. Les écoles manquent d'argent. Le gouvernement provincial manque d'argent. Le gouvernement fédéral manque d'argent. On manque d'argent. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est un chiffre. De quoi manque-t-on? On manque d'argent. On manque de chiffres. Mais oui. On manque de chiffres, bien sûr, puisque l'argent, c'est un chiffre. Mais c'est extraordinaire. Comment peut-on manquer de chiffres? On manque de chiffres. Mais où prend-on ça, les chiffres? On prend ça, mes amis, des chiffres dans l'arithmétique. Vous êtes allés à l'école, déjà? Vous avez appris l'arithmétique. Eh bien, supposons que le professeur vous donne un problème à résoudre. Mon enfant, vous résoudrez tel problème. Et que l'enfant répond, monsieur le professeur, où donc que je vais prendre les chiffres pour résoudre ce problème-là? Ben, le professeur dirait, c'est quoi mon petit sans-dessin, mon petit imbécile? Les chiffres. On ne se demande jamais où prendre ça. On prend ça dans l'arithmétique. Il y en a tant que tu en veux. Et s'il en manque, mets des zéros. L'argent, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un chiffre. On manque d'argent, on manque de chiffres. Où va-t-on prendre les chiffres? On va les prendre dans l'arithmétique. Quand on manque d'argent, mais l'argent, ce n'est pas la même chose. L'argent, la différence, l'argent, ce sont des chiffres. Des chiffres pour acheter. La différence, c'est qu'il y a une signature. Et avec tel bout de papier, avec un compte de banque, je peux aller chez le marchand, sortir les marchandises du magasin et les faire transporter chez nous avec des chiffres pour acheter, c'est-à-dire de l'argent. Mais ce sont des chiffres, de l'argent, c'est des chiffres pour acheter. Où prend-on l'argent? Là où l'on prend les chiffres. Où ça?
dans l'arithmétique. Alors, mes amis, on manque d'argent. Vous manquez d'argent, je manque d'argent, le gouvernement manque d'argent, les municipalités manquent d'argent, les écoles manquent d'argent, tout le monde manque d'argent. Pourquoi? Parce qu'on manque de chiffres dans l'arithmétique. Avez-vous compris, mes amis, que c'est stupide? Absolument. Oui, mais l'argent, on ne peut pas aller chercher ça dans l'arithmétique. Mais oui, l'argent, c'est une comptabilité. Et la comptabilité, on n'a qu'à savoir additionner, soustraire, pour la faire, on n'a qu'à mettre dans la bonne colonne l'actif et dans la bonne colonne le passif pour faire de la comptabilité. Oui, mais il y a autre chose. L'argent, c'est peut-être, bien sûr, c'est basé sur l'or. Ah, vous pensez que l'argent, c'est basé sur l'or? Eh bien, mes amis, il n'y a pas une once d'or au Canada depuis 1940, depuis 21 ans. Y a-t-il de l'argent au Canada depuis 21 ans? Oui, il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait la guerre, qu'est-ce qu'on a fait? Remarquez bien que pendant la guerre, on avait beaucoup d'argent. De l'argent, il n'en manquait pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la guerre? Est-ce qu'on a sorti l'or des mines d'or de Val-d'Or et de Rouen? Non, c'est pas ça la guerre. La guerre, c'est envoyer des soldats en Europe pour en tuer d'autres. On a tué des hommes. Et alors, on avait beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que l'argent, c'est basé sur l'or? Non, c'est basé sur la guerre où l'on tue des hommes. L'argent, ce n'est pas basé sur l'or. Alors, l'argent, d'où ça vient? Ça vient de l'arithmétique. Bon, alors pourquoi donc manque-t-on d'argent? On manque d'argent parce qu'on est fou ou parce qu'on est ignorant. Est-ce que vous avez appris, mes amis, à l'école? Où l'on prend l'argent? D'où vient l'argent? Non, non. Les journaux ne nous disent pas d'où vient l'argent. La radio, la télévision, commandée par la haute finance, ne nous disent pas d'où vient l'argent. Même les écoles, les hautes écoles universitaires, ne nous disent pas d'où vient l'argent. Pourquoi? On apprend tout à l'école. On est savant lorsqu'on sort de là. On est capable même d'aller jusque dans la lune, voyez-vous. Mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Étrange. Ah oui, étrange. Parce que les contrôleurs de l'argent veulent garder ça dans le mystère afin que, ne sachant pas d'où vient l'argent, le peuple ne sache pas comment en obtenir de l'argent. Voilà. Je vous ai dit que l'argent est un chiffre. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez cru ce que je vous ai dit? Non? Eh bien, vous lirez le journal Verdemain. Depuis 22 ans que Verdemain l'enseigne. D'où vient l'argent? C'est une chose qu'il importe de savoir tout de suite. Que l'argent, c'est une comptabilité. Maintenant, il y a des choses en abondance dans le pays. On se meurt d'abondance. Oui, mes amis, on a trop de produits. C'est pour ça qu'on arrête d'en faire, qu'on fait des chômeurs. Et quand on est chômeur, on n'a plus d'argent. On n'achète plus les produits. On n'achète plus les produits parce qu'on a trop de produits. On n'a plus d'argent parce qu'on a trop de produits. Pauvre monde. Oui, pauvre monde. Quelle est la cause profonde de tout ça, mes chers amis? Pourquoi nous a-t-on menti si longtemps? Pourquoi ne veut-on pas qu'on sache qu'est-ce que l'argent, d'où vient l'argent, pour résoudre les problèmes des familles? Car au fond, vous savez, ce n'est pas de la spéculation que je vous fais. Je vous apporte un problème cuisant. Si on résolvait aujourd'hui le problème de l'argent, si vous étiez convaincu que l'argent c'est un chiffre et que ça ne doit pas manquer devant les produits, devant les besoins, eh bien je vous assure que vous sortiriez de votre misère. Il n'y aurait plus de problème d'argent, il n'y aurait plus de problème de sécurité, il n'y aurait plus de problème de maison, de logement dans les familles. Mais pourquoi nous a-t-on tenu comme ça si longtemps dans le mensonge? Ah! Je vous l'ai dit tout à l'heure, les contrôleurs du crédit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire la vérité. Il faut la dire partout. Il faut qu'on la sache. Il faut se détacher de ce mythe, de cette idée fausse que l'argent s'est basé sur l'or, que l'argent, il n'y en a rien qu'une petite quantité. Il faut comprendre le problème d'abord et le dire aux autres. Seule la vérité nous rendra libres. C'est l'obstacle argent qu'il faut enlever dans notre chemin pour vivre,
pour vivre décemment, pour que les familles vivent dans la prospérité. Et cet obstacle, l'argent, mes amis, c'est dans les esprits qu'on doit l'enlever d'abord. Il est là. On est pris par ça. Toutes nos vies sont prises dans cette toile d'araignée de l'argent à gagner. Il faut de l'argent, il faut de l'argent. Libérons-nous d'abord, les esprits, de cet esclavage-là. Maintenant, on va dire, ce sont les gouvernements qui doivent régler ça. D'accord. Mais avant de le faire régler par les gouvernements, et prenez ma parole, les gouvernements seront bien les derniers à comprendre quelque chose là-dedans. Il faut que le peuple comprenne. Et qu'il comprenne une chose, une deuxième chose, à part d'avoir compris qu'est-ce que c'est que l'argent, il faut que le peuple comprenne que ce n'est pas la politique d'élection qui va nous sauver. Ce n'est pas la politique de parti politique. C'est la politique de charité, la politique de dignité, se faire respecter. Si chaque personne se fait respecter par les autorités, alors elle sera placée, elle se placera elle-même dans sa dignité. Et c'est le commencement du salut de chaque personne. Ensuite, pour bien comprendre la dignité de chacun, sa propre dignité, je pense qu'il faut aller comprendre la dignité des autres, aller vers son frère. Et je finirai, mes chers amis, par cette parole qui a été dite et qui est si bonne. J'ai cherché mon âme et je ne l'ai point trouvée. J'ai cherché Dieu et je ne l'ai point trouvé. Mais j'ai cherché mon frère et avec mon frère, j'ai trouvé Dieu et j'ai trouvé mon âme. C'est vrai partout, c'est vrai en politique aussi, mes amis. Il faut chercher son frère. Et pour chercher son frère, quand on a cherché son frère, on est capable de trouver son âme. Eh bien, on trouvera le salut des familles en cherchant son frère, en allant vers son frère, pratiquant une politique de charité au lieu d'une politique d'égoïsme, de recherche de l'argent. C'est ainsi que l'on comprendrait mieux le problème de l'argent.